amis, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'Arche de Port-Blanc et la pointe du Perchaud sur la côte sauvage à la presqu'île de Quiberon. Vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne Laurent Collard, mais vol de drone? N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Allez, au revoir, merci. À bientôt. L'Arche de Port-Blanc, qui est également connue sous le nom de Roche Percée, est un site naturel remarquable situé sur la côte sauvage de Saint-Pierre-Quiberon. Cet endroit est le fruit de l'érosion marine qui a sculpté une arche dans la falaise. Les visiteurs peuvent se promener sous cette arche à marée basse. Malheureusement, cet endroit est fragilisé depuis quelques années à cause des tempêtes successives. Cela a entraîné la perte de plusieurs rochers. Personne ne peut dire avec certitude combien de temps cette arche résistera aux tempêtes avant de disparaître, mais en espérant que ce sera le plus longtemps possible. Pointe du Perchaud se situe à Saint-Pierre-Quiberon sur la presqu'île de Quiberon. Avec l'Arche de Port-Blanc, c'est l'un des lieux incontournables de la côte sauvage. Parcourez le chemin côtier jusqu'à l'ancienne maison des douaniers et admirez les magnifiques paysages. D'ici, la beauté de la nature se révèle avec une vue à 360 degrés sur les falaises, les plages et l'océan. La pointe du Perchaud abrite la maison des douaniers. C'est d'ailleurs ainsi qu'on la reconnaît aisément de loin. La construction de cet ouvrage militaire date de la seconde moitié du XVIIe siècle.